Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans le plaisir de l'épisode de Starbound V5 Glad Giraffe. Donc chers amis, vous pouvez prendre les coordonnées, la planète, le nom. Donc Sheratan Majoris 6A en 88 04 22 15 9, pardon, -83 43 03 12 4, parce que sur cette planète il y aura une recherche à faire. En l'occurrence, donc il y aura sur cette planète je me suis planté, j'ai oublié d'y aller. Je suis con. J'ai rentré toutes les coordonnées sauf que je suis resté sur la lune exprès pour pouvoir bref. Hop. Ce que je peux faire, ouais non, on va y aller, c'est pas grave. Hop, je refais le plein. Voilà. Comme ça on aura l'essence pour aller à la deuxième système derrière. On trouvera sa planète, donc l'emblème, donc moi je vais vous montrer quand même la quête en question. Voilà, le Stone USM Penal Colony Sign. Voilà ce qu'on y trouvera. Alors. Alors. Au passage, est-ce que j'ai de quoi? Ouais, c'est bon, j'ai de l'emplacement, j'ai de l'espace sur moi un petit peu. Hop, ça je peux le virer, ça je peux le virer aussi. Ça aussi. Ça aussi. Les différentes pierres de couleur, on peut les virer aussi, c'est pas grave. Voilà. Hop. Alors, on se place sur le téléporteur pour un petit peu de RP. Et 3, 2, 1, non. 3, 2, 1, engage. Pow! Voilà. Je le fais tellement bien. Oh, c'est joli. C'est quoi ça? Smooth eye. Hop, dégage. Ok, c'est sympa par là, dis donc, ouais. Le problème c'est que j'ai toujours peur que la glace me pique en fait. Oh, un petit requin. Hop. Laissez-moi passer. Bla. Ah, il y a encore des tourelles aussi. Oh. Et des apex. Intéressant ça. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez là? Hop, intéressant. Génial. Cool. Bah, c'est vraiment génial tout ça. Alors je vais vous prendre ça, je vous prends aussi la porte forcément, la plante, ça, ça, la chaise aussi d'ailleurs, dégage, ça aussi, la lumière hein, forcément, et ça. La porte au passage, et le machin au-dessus. Parfait, merci les gars, bonne chance, bonne continuation. Alors, on n'est pas allé voir s'il y avait d'autres... Oh, il y a la fameuse machine à café. Ok. Parfait. On n'est pas allé voir si on avait d'autres techs suite au combat contre le boss. On aura peut-être dû. Normalement, il aurait dû en avoir quelques-unes. Raté. Raté. Hop. Il nous faudra aussi retourner sous terre pour un petit peu de farm, chers amis. En l'occurrence, du farm. Hop. Voilà. De ces objets. Les upgrades modules pour pouvoir finaliser notre vaisseau, en tout cas les différentes hop, on va essayer de se faire tuer connement, les différentes améliorations du vaisseau. Je pense que ce serait une bonne idée. Hey, salut. C'est une porte. C'est une porte. Appelez. Ça va les gens? Help. Phew. Maybe something you need on this planet, otherwise you don't come here. Oui, effectivement, moi ce qui m'intéresse ce sont vos shurikens. Oh, t'es sérieux? Voilà, je prends vos affaires, vous permettez, hein. Et salut! Hop. Encore des apex? On fout, me donne une quantité d'objets assez incroyable, donc moi ça me dérange pas. Hop. Voilà, vous pouvez revenir. Oh,
Pixel Hero, ça y est. Ah bah voilà ce qu'on cherche. Normalement il est protégé, voilà il est protégé. Donc on va aller buter du prisonnier. J'ai pas vu qu'il y avait une porte là. Tu ranges ta chaise. Elle est solide hein. Pour un prisonnier je veux dire. T'as pas l'air con tu sais. Merci. Heureusement qu'ils avaient amélioré l'IA des prisonniers hein. Je tiens à préciser quand même. Ok. Ah, ça avait vraiment pas l'air con. Hein. Ok. Voilà, merci de bien vouloir mourir. Hop. Toi aussi. Faudra que je récupère les lumières aussi de cet endroit. Bon, de toute façon, je ferai le vaisseau en admin, donc de ce côté-là, c'est pas trop grave. Tu vas la ranger, ta chaise? Ta chaise a des dégâts explosifs, en plus, si je ne me trompe pas. Tu vois pas que je suis super Marcus? Techniquement, tu pourras jamais m'avoir. Voilà. Aïe. Allez, recule. Comment ça s'appelle, des cordes, pardon. Je vais dire des échelles, mais non. Ok. Dégagez. 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 Hop. Parfait. On progresse. Alors, est-ce que ça passe, ça? Boum. Dégagez. Oh, tu veux bien mourir? Merci. Mais bien sûr, il a une arme de... Une arme à feu, lui. No escape. Pourquoi pas? Peut-être que si je prends ça... Ok, c'est plutôt efficace. Ok. Ça aussi. Ah ouais, c'est vrai, je peux pas les casser. Oh, une bombe. Des cordes. J'ai plus d'une corde à mon arc. Ok, bonjour. T'es vraiment nul par contre, hein. Sans vouloir te vexer. Non. Ah si, il a réussi à passer. Bien joué. Bon par contre, on va te laisser mourir connement sur mon pic. Hein. J'ai un cure-dent, ça tombe bien. Tu le sens mon gros cure-dent? Voilà. Ressemble la puissance de mon gros cure-dent. Merci. En plus il me donne une chier de medical kit. Ce qui est assez cool, je vais le reconnaître. Hop. Oh, la salle de bain. Ouh. I want you. Je te colle contre le mur. Tiens. Je suis sûr que t'aimes ça. Hop. Alors. C'est débile. Il me faut une lance, mais de mon niveau maintenant. Et je tuerai tout connement. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Effectivement, j'ai une chier de matériel moisi. Mais ce n'est pas grave. Des pixels. Hop. Des pixels. Hop. Des cordes. Hop. Et des bouts de bois. Oula. Non, on dégage.
Dégagez. Ah, il y a du monde là. Peut-être dû faire attention. Ah bla, eh mais ils m'ont tué. Ah les sacs. Mes pixels. Putain, j'ai perdu 3000 pixels dans l'histoire. Fait chier. On y retourne. Ils veulent la guerre, ils l'auront. Ils veulent la guerre, ils l'auront. Qu'est-ce qu'elle a cette arme en... D'accord, elle a rien du tout en clic droit. C'est un pistolet avec tout ce qu'il y a de plus classique. Mais un peu lent quoi. Ok, pourquoi pas. On y retourne. Hop. Ah là, y'aura rien. Ah bah ils sont morts je pense. Hein. Parce qu'on les retrouve pas. Hop, c'est dommage. Toutes mes condoléances. Ça fait pas reculer. Ça fait plus reculer les ennemis cette arme, c'est chiant. C'est quoi, j'ai jamais aimé les Apex. Enfin, c'est pas que je les ai jamais aimés, c'est que je les ai jamais trouvés intéressants surtout. Hop. Voilà. Bon, qu'il est mon centre pénitentiaire. Alors. Ok. Là, je leur avais rien pris à ceux-là. Aïe. Le voilà. On y retourne. Si je suis pas beau ouais, comme ça avec mon slip rouge. Oh non de Dieu. Alors. Parce que putain, mes pixels, ils en ont pris un coup dans le nez. Hein. Va falloir qu'on fasse cette raffinerie, chers amis, de toute façon. À un moment ou à un autre. Hop. Que je regroupe tous mes minerais aussi, ça va être chaud. Mais c'est pas plus mal si on finit, entre guillemets, l'histoire rapidement. Ça nous permettra de faire un peu plus d'explos, de nous amuser un peu plus derrière. Peut-être même de la construction, j'ai bien envie d'en faire vu qu'on arrive sur le quand même les dernières grosses mises à jour du jeu. Hop, dégage. Oh. Je te l'ai mise en pleine tête celle-là pourtant. Oh mais tu vas bien monter. Ok. Et de une. Et là-dedans, y'a rien. Ok. Non, dégage, dégage. Dégage, dégage. Hop les. Respectez ma putain d'autorité. Ça va être beau PC par là, dis donc. Ah, je peux pas les prendre, c'est vrai. Merde, Crudy. Ah bah si, je vais bientôt pouvoir les prendre. C'est pas pareil. Crac. What? What? Oh. Ah, pas mal. J'ai oublié de les détruire. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. Hop, je prends ça, c'est vraiment pour la forme. Hein. Est-ce qu'on a autre chose de récupérable dans le coin? Enfin, intéressant à récupérer surtout, parce que récupérable, on en a un paquet, mais intéressant à récupérer, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout elles qui font mal, en fait. Hop. Tentons pas le diable pour autant quand même. Hein. Ce serait stupide. Alors.
Hop. Boum. Voilà. 15 medical kits. Oh la gueule. Remarque, c'est pratique, hein. Ils m'ont fait mal, ces deux-là. Hop, voilà. Ah, je peux pas récupérer le violium, ça va pas le faire. Oh, j'ai récupéré une chaise de bureau. Non, faut pas exagérer non plus, je vais pas me battre à la chaise de bureau. Ok. Ah, j'aurais dû m'en douter, j'aurais pas dû. Putain. Sale bête. On va aller voir les textes. Hop, show me my text. FTL boost, tiens. Ça peut être intéressant, ça. Sélection, hop. Bouncy, c'est parfait. Ok. On y va. Beam down. Alors normalement je vais faire les 3 planètes en un seul épisode, mais je pense pas que je vais le faire. Hein. Ah bla. Bla, y'a rien qui marche. Bla. Putain, mais il a un cooldown en plus. Ah, il y en a encore un. Ok. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien. En. Voilà. Merci pour vos barbelés. Je sais qu'ils sont complètement inefficaces sur les monstres, malheureusement. Ok, la suite, on y va. Je suis con, c'est pratiquement tout en sous-sol. Enfin, tout en plat. Je devrais pouvoir réussir à me téléporter assez vite. Enfin, me téléporter, tout est relatif, hein. À jumper, on va dire. Oh. Voilà. Bon. Bande de salopios. Vous voulez la guerre? Vous allez avoir la guerre. Hop là. Ok. C'est fait. Je vous ai tous niqué. Très profond. Ok, donc là il y a des choses que je peux pas récupérer sûrement parce que j'ai de l'armement quelque part qui me fait chier. Non, même pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Nul. Un petit peu d'or. Pourquoi pas. Je vais virer les wires. C'est pas grave. Toi. Mais normalement je t'avais ciblé. Si tu veux bien me faire le plaisir de bien vouloir crever. Là-dedans, y'a rien. Hop.
Hop. Merci. Ce qui nous en fait un total de 9. Ce qui n'est pas encore suffisant pour un pour en faire un. Simplement. Alors. Bah alors. What, on est dans quoi comme biome là? On est dans quoi comme biome? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dommage. Hop, voilà. C'est quoi ces cristaux au sol? Ok, c'est très joli, mais de quel biome ça provient? Je n'ai pas vu souvent des trucs comme ça, moi. Bizarre. Extrêmement bizarre. Je dois l'admettre, c'est vraiment extrêmement bizarre. Ah, le biome cristal, tout simplement. Le biome cristal, tout simplement. Bon, bah écoutez, des fois on cherche des choses et puis on s'en rend pas compte. Hein. Hop, ça je prends, ça c'est quoi? Un grenade launcher à une main? What the fuck? Attendez, parce que là c'est un peu, je trouve ça un peu balèze. Si je puis me permettre. Ah oui. Ah oui, un grenade launcher à une main qui électrocute ses ennemis parce qu'une fois qu'ils sont électrocutés, ils font des dégâts à leurs potes. Ok, pourquoi pas. C'est atypique. Je crois qu'atypique, c'est le terme que je cherche. Ok. Boum. Ça fait mal. Wow, salaud. Tu te déplaces vite, toi. Appelé. Ok, 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 en tout cas. T'es sérieux? Tu fais de la lumière? What? Faites que j'ai encore une critter ball sur moi. Non, j'en ai plus. Dommage. Ah, je l'aurais pris. Rien que pour le fait qu'il fasse de la lumière, je l'aurais pris. Faudra que je revienne. De toute façon, je pense qu'il va y avoir sur le wiki, il va y avoir à un moment ou à un autre tous les critters. Je pense que je les prendrai. Attrapez-les tous Pokémon, hein, comme dirait l'autre. What the fuck? Y'a quelqu'un dans la glace? Est-ce que vous voyez comme moi? Y'a quelqu'un dans la glace? Ah! Non, c'était pas prévu ça. Bon bah écoute, tant pis, je suis désolé. Hein. Dans la glace ou dans le cristal, je sais pas. Oh, ils font de la lumière, par contre, ça me commence à me donner une putain de hype. Bon, de toute façon, on a fait le tour de la planète. Hop. On va retourner sur le vaisseau, on va quand même raffiner tout ce qu'on peut raffiner, hein, histoire d'eux. Puis on va aller voir un petit truc ensemble. Hop, parfait. Hop, parfait. Ça, tout aussi bien. Là, du gold, ça fait toujours du bien aussi. Hop. Crac, crac, crac. Crac, crac. Non, ça va pas là. Peut-être, ouais, voilà. On va aller ranger aussi notre costume là, notre bout de costume qu'on a chopé. Crac, et on va aller voir là-bas. Alors, créature capture station, c'est voilà, c'est ça qui nous intéresserait en fait. 20 platinum bar, je pense pas que je les ai. Platinum, on en trouve pas des masses en fait. Hein. Voilà, on en a 9. C'est pas suffisamment. Ouais. Et puis on n'a pas non plus trouvé de minerai de platinum. Bon. De ce côté-là. Sauf si le vendeur à l'outpost en vend. On peut aller voir, après tout. Tant pis, hein.
J'irai farmer les pixels une autre fois pour avoir un over. Bah oui, non, pas tout de suite, toi. Hop, est-ce que tu vends du platinium? Je vais en vendre. Oui, t'en vends. Voilà, je te remercie. Il me semble que j'en avais 9, hein, s'il ne me trompe pas, hein, donc. Hop, beam to ship. Puis au bout d'un moment, on pourra se faire la raffinerie, chers amis, pour raffiner nos trucs. Donc, ce sera bon de ce côté-là. Hop, on va quand même récupérer ce qu'on n'avait pas pris. Que j'y pense. Hop, et voilà. Non, rien là-dedans. Et il y en a un peu plus par ici. Hop. Ah, il est tellement sympa celui-là quand il sourit. Hop. Crac. Créature. Hop, où est-ce qu'il est? Là. Voilà. On va le mettre à un endroit. Hop, plus sympathique. Hop. On m'envoie des textos. Hop, voilà. Et vous voyez, donc on pourra faire ces capture pods. Donc voilà, vous voyez, ça s'appelle bien Critter Capture Pod. Donc on peut capter que des critters. Donc, capturer, pardon, que des critters. Donc voilà, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi donc y retrouver à l'accueil du groupe l'adresse IP et le port pour le serveur. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'en tout cas vous aurez pu aller chercher comme moi le Prison Colony Sign. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre aventure, salut les gens.